Salut à tous, c'est Ryoku pour une vidéo de Super Mario World sur Super Nintendo. C'est développé par Nintendo, réalisé par Nintendo et sorti par Nintendo, bien sûr. C'est le bébé de Nintendo. Donc, je vous présente ce jeu qui a été vraiment un phénomène. Je vais commencer sûrement par. Par le début du jeu, ouais, allez, je vais faire le début du jeu. Donc on pouvait toujours jouer à deux joueurs, mais bon, c'était pas en même temps, hein. C'était un tour chacun, une vie chacun, quoi. Allez, oh, ça va pas passer là. Bienvenue, ah voilà, c'est. Ok, je suis bienvenue dans le monde des dinosaures et compagnie. Voilà, donc là, on a droit à une map, comme dans Mario 3. Il n'y a pas eu de Mario entre temps, voilà. On est passé de Mario 3 à Mario World en fait. Donc l'idée de la map est toujours là. Et je vais faire le premier niveau tout de suite. Donc, le grand secret des Mario Bros, quand même, ça restera toujours la jouabilité, quoi. Un gameplay de fou, ouais. Alors la nouveauté ici, c'est qu'on pouvait prendre, hop, on pouvait prendre les carapaces et les lancer de côté ou voire même les lancer verticalement en hauteur. Voilà. Donc là, je vous présente aussi, voilà, je vous le présente pas bien sûr, mais vous savez qui c'est. On le voit pour la première fois dans cet épisode. Hop, ah voilà, 2/3 quarts. Je vous fais une présentation de 3 quarts de Yoshi, bien sûr. Donc Yoshi pouvait bouffer ses pommes là. Hein. Oh putain. Oh mais là, ça y est, je fais le cassos. Oh putain. Je suis un cadre. Le noob. Le noob. Le noob. Oh putain. Allez, on va faire ça en 2-2 là. Ok, voilà, une vie supplémentaire. Hop. Je vais récupérer le Yoshi tout de suite. Voilà. Donc, on pouvait. Voilà. Il y avait les différentes carapaces nous permettent des options différentes hein, pour quand on les recrache. Hein. Donc, oh là là. Oui. Ouais, on peut lui sauter dessus vite fait. Donc oui, la rouge, elle nous permettait ici le checkpoint qui nous donnait l'équivalent aussi d'un champignon. Comme vous avez pu voir, je suis devenu grand. Et donc j'en étais où? Les carapaces rouges, ça permettait de cracher des flammes. Les vertes, on les recrachait normalement. Récupérer mon couteau. Donc bien sûr avec Yoshi on pouvait sauter plus haut. Hop. Ici bien sûr je ne peux pas la prendre. On va essayer d'y aller comme ça. Voilà. Je récupère une fois de plus un médaillon Yoshi. Donc c'est vraiment un jeu extraordinaire quoi, il est resté dans les annales quoi, c'est culte hein, Mario World c'est super culte quoi, ils ont atteint l'apogée quoi, c'était vraiment du, ça commençait à devenir du très lourd avec Mario 3 bien sûr sur NES, et là c'est le premier Mario sur Super Nintendo, donc voilà, passage secret. Alors là c'est quoi le but du jeu là? Ah oui, je les prends et je les lance à la verticale en fait. Mais comme par hasard, je ne choisis pas le bon. Voilà. Ah, je peux les rattraper en plus. C'est bien ça. Ah non, je les utilise qu'une fois, merde. Ok. Oh putain, j'étais trop vite. Pas mal, pas mal.
Donc c'est la fin de ce premier niveau. C'était vraiment culte à l'époque, quoi. C'était le jeu qui, bon, c'était le jeu qui se vendait en pack avec la Super Nintendo, bien sûr. C'était vraiment, les gens, ils achetaient la Super Nintendo. Pourquoi? Pour Street Fighter et Mario World, quoi. Il y avait pas de chichi là-dessus. Hein. C'est clair et net. Donc là, le deuxième niveau, on va essayer de faire vite. Donc niveau graphique, c'était vraiment très joli. Bien sûr, hein. La Super Nintendo, pour ça, ne décevait pas niveau graphique. Je ferai une vidéo de Super Mario World, de Super Mario World 2, hein. C'était en fait Yoshi Island. Donc là, vous avez pu remarquer aussi que j'ai terminé le niveau avec Yoshi. Et forcément, je continue le niveau suivant avec Yoshi, quoi. J'ai pas besoin de le récupérer durant le niveau, quoi. Le niveau, c'était toujours de la plateforme qui était vraiment calculée au millimètre près, quoi. Elle était super. C'est une plateforme. C'est de la plateforme. Ah, tiens. Mario boule de feu. C'est bien ça. Ok, classique. Hein. Oh putain, j'ai fait le cave. Je voulais montrer comment il lance des boules de feu. Putain, je suis un noob. Oh putain, non, ça va, je recommence pas du début, c'est bien ça. Ok, donc là normalement j'ai un champignon. Ça aussi c'est le vice, hein, connu, hein, du champignon qui va tomber dans le vide. Hein. Il faut essayer d'attraper avant, sinon on est foutu. Donc, comme vous pouvez voir aussi, au milieu de l'écran tout en haut là, il y a un champignon qui est bloqué. J'ai juste appuyé sur Select pour le libérer. Et ça nous permet de sauvegarder un item. Oh là là, oh là là, faut que j'arrête des conneries là. Allez, je vais trop vite, je vais trop vite en fait. Allez, je perds du temps, c'est dommage. Ouais, forcément, après, si je joue, je parle plus. Voilà. Ouais. Oh putain, le carrément, les. Je prends mon temps, tranquillement. Mais je vais y arriver. Oh, pas déconner. Oh, ça. Que dire de ce jeu-ci? Bah, c'était vraiment le grand concurrent de Sonic, quoi, je vais dire, hein. Mais en même temps, les deux jeux avaient rien à voir, mais c'était vraiment. Oh putain, faut que j'arrête les conneries, je passe tout d'un coup. Putain. Donc, c'était vraiment l'ennemi juré de Sonic, hein. Mais en même temps, c'était vraiment deux jeux qui avaient rien à voir. C'était vraiment deux jeux qui avaient rien à voir l'un à l'autre. Ok. Voilà. Fais la petite pause. Ah, je me suis fait niquer. Me suis fait niquer. Hop. Hop là, voilà. Cette musique était monstrueuse aussi. Hein. Je vous la laisse un peu. Hein. Je vais faire danser Mario, tiens.
quand même faire un gros score. 1, 2, 3. Ah non! J'ai raté. Pas mal la petite danse de Mario. Je vais montrer un dernier petit niveau.